de là où l'ambassade du vent Anchor ce midi sur la Canore, bonjour à toutes et à tous. On a un temps qui est variable, les températures sont très douces à 23-24 degrés, la température de l'eau est très bonne à 21 degrés. La marée est en train de descendre, le plein bas est à 15h15 avec des coefficients de 69. Et sur cette marée qui descend, on a le vent qui est onshore avec un secteur nord-ouest, il est modéré, il s'est un peu calmé, il y a deux beaux forts. Et comme le vent s'est orienté un peu plus à l'ouest, c'est un peu moins clapoteux, agité que ce matin. Là, on a un plan d'eau qui est ridé à clapot, mais des phases de vagues qui sont plus lisses que ce matin sur le coup de 9h. Et on a une houle qui est elle maintenant moyenne à longue, 9 secondes de période, orientée ouest-nord-ouest, multipique et en atténuation, 50 à 80 cm en déferlement régulier, pardon, et aux séries, il y a 1 mètre, voilà. C'est ce qu'il y a la plupart du temps, il n'y a pas plus. C'est en atténuation, ça s'est un peu arrangé avec le vent qui s'est orienté un peu au nord-ouest. Mais bon, la marée descend. Quand la marée descend, il y a quand même beaucoup de bancs de sable qui ferment et quelques rares endroits où ça arrive à passer. Il y a encore des bouts à attraper, il y a de quoi glisser pour un surfeur motivé, il y a beaucoup de monde à l'eau. Voilà. La barre est facile à franchir, les vagues ne sont pas hyper sélectives, il y a des bouts à attraper, il y a de quoi glisser, il faut en profiter, car l'évolution pour le reste de la journée sera moins favorable. Donc des vagues faciles, pas grosses, assez molles, un peu multipiques, avec un vent pas trop fort, pas trop mal orienté, avec ce secteur plutôt nord-ouest, c'est un peu moins sectionné, agité que ce matin. Et l'évolution pour le reste de la journée, ben, nous donne un train de houle qui va baisser, mais surtout la brise de nord qui a tendu se lever soutenue cet après-midi. Donc essayez de surfer avant ça, à part si vous aimez le vent de nord. La bouarre cachant est à la baisse, nette baisse, hein. Elle est passée de 1,20 m et 7 secondes ce matin à 90 cm et 6 secondes maintenant. Donc à 13h, 80 cm à 1 mètre sur une houle ouest-nord-ouest avec 9 secondes de période et un vent nord-ouest à 2 voire 3 beaufort. Et à 17h, on aura 50-80 cm, difficilement plus à mon avis. Houle ouest-nord-ouest, 9 secondes de période avec donc cette brise de nord-nord-ouest dans les 4 beauforts. Ça va se dégrader copieux cet après-midi. Essayez de surfer avant ça parce qu'après, ça sera pas bon. Je vous tiens informé sur l'évolution des conditions sur le 08 92 29 78 73 à 14h, 16h et 18h. Et c'est le seul bulletin où je vous donne aussi la tendance pour le lendemain avec des conseils et des prévisions détaillées. Bonne journée, bon 14 juillet. Merci.